Eh bien bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Top Top, aujourd'hui on se retrouve pour la 8ème partie sur Let's Play de Pikmin 2 sur Wii. Souvenez-vous, dans l'épisode précédent, on était toujours dans le premier monde à la recherche de la 3ème grotte, grotte qu'on a trouvée. On a réussi à faire quelques sous-niveaux, mais je suis vite remonté à la surface parce que voilà, j'ai perdu quand même énormément de Pikmin dans la bataille. Et aujourd'hui, donc on va reprendre ce niveau-là, où on va justement essayer d'aller chercher les trésors qui me manquent. Voilà, et là déjà je vois qu'il y a quelques... Voilà, donc j'ai déjà fait un peu le ménage, voilà, avant de commencer la vidéo pour ce sous-niveau 3. Donc on va essayer de se... Voilà, de ramener un petit peu tout ça comme il faut. Alors j'espère qu'il n'y a pas grand monde ici, non. Par contre là je vois une fleur blanche, ce qui va m'intéresser, parce que j'ai perdu énormément de Pikmin blancs dans l'épisode précédent. Et on récupère ici un stabilisateur surpuissant à 60 pocos. La fleur blanche, je veux bien. Voilà, parfait. Donc là, ici, il n'y a plus de trésor à récupérer ici. Hop. On va aller chercher voilà, ces petits Pikmin blancs. Voilà, très bien. Allez, vous revenez tous. Alors, sachant qu'il n'y a plus rien ici. Allez, je veux tout le monde. Où est le trou pour la suite? Il est derrière moi. Ok, allons-y. Il est où? Où est le trou? Il est là-bas. Non, par contre, vous brûlez pas, les enfants, ce serait bien. Allez, go. Hop. Ok. On est bon. Allez, c'est parti pour le sous-niveau numéro 4. Alors, sachant que ce qu'on va faire aujourd'hui, comme j'ai dit, c'est finir ce complexe souterrain et puis faire peut-être les trésors qui se trouvent à la surface du prochain monde. Alors ici, il n'y a rien. Par contre, s'il y a du nectar ou autre, moi je veux bien. Évidemment, comme je suis revenu avec des Pikmin qui étaient encore que des feuilles, ben du coup, on va essayer de les fleurir un peu. Pas trop mal. Alors, où est le... Ah bah tiens. Ah non, ici c'est la zone de repos. Ah non, ça va, ici c'est la zone de repos. Donc tout va bien. Ici, alors vu qu'il y a encore des fleurs blanches, on va s'en servir. Alors on va sacrifier les rouges, hein, puisque évidemment les rouges, c'est ceux que j'ai en plus grande quantité, on va dire. Non. Calme. J'ai tout le monde là? Oui. Vas-y, refais-moi des blancs encore, parce que des blancs, je pense que je vais en avoir besoin pour après. Hein. Donc on va essayer de s'en faire un maximum de blancs là. Voilà. De toute façon, j'ai pas pris de bleu avec moi, vu que des bleus, j'en ai pas besoin pour le moment. Autant aller chercher des blancs. C'est bon, parfait. Et on peut encore avoir du nectar, on va en prendre. Bien. Est-ce qu'on est bon? Bon, ça a l'air bon. Donc on est parti. On descend pour le saut niveau 5. Bon, j'espère par contre que cette fois-ci ce sera pas une hécatombe, parce que là ça risque de pas le faire si c'est une hécatombe. Hein. Je sais plus d'ailleurs où est-ce qu'on était dans l'épisode précédent. Je crois qu'on était au saut niveau 7 ou saut niveau 8, je crois, un truc dans le genre. Donc on va essayer de rattraper le même niveau. Non, par contre, pour ici, ouais, vous allez rester là, les enfants. Voilà, je m'occupe de tout péter avant que vous y alliez, parce que... Sinon, ça va être l'enfer, hein. C'est ça. Voilà. On va s'occuper de tout péter avant, et une fois que tout sera pété avec Louis, on ira vers la suite. Voilà. Tranquille, voilà, parce qu'il y a des araignées même qui tombent de partout. Donc vaut mieux. Voilà, vaut mieux tout péter avant. Voilà. Non, 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 non. Parce que là, je n'ai zéro. Donc si jamais j'y vais avec zéro, je crois pas qu'il accepte. Ouais, reviens avec Louis.
Allez, avec lui, on y va. Normalement. D'accord. On recule. Voilà. J'allais dire pourquoi il y a une pierre qui me tombe dessus alors que j'ai pas prévenu, mais c'est pas grave. Oh. Et en plus, ça continue. Hein. Sérieusement. C'est bon, vous me suivez tous là? Oui. J'entends des araignées. Hein. Par contre, oh là 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 là. C'est bon, tout va bien. Allez, vite, 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 les gars. Ok, parfait. Allez, on descend. Bon, ça va, c'est quand même beaucoup plus rapide hein, de faire le niveau comme ça en speedrun, sans rien chercher du tout, les ennemis, quoi que ce soit, c'est beaucoup plus rapide. Hein. Parce que sinon, je vous dis pas le temps perdu. Hein. Je vous dis pas. Hein. Alors, rien à choper ici non plus. Alors là-bas, on peut remonter, mais nous, on descend. Alors, où est la suite? Là-bas. Les blancs, je vais avoir besoin de vous. Parce que seul vous, vous pouvez péter ça. Vous allez me péter ça vite fait. Voilà, merci. Idem pour celui-là. S'il vous plaît. Détruisez-moi ce truc. Merci. Alors, par contre... Ouais, le truc est là-bas. Est-ce que je peux passer... Ouais, attention à lui, là. Parce que je vois très bien ce que tu t'apprêtes à faire, toi. Ah, c'était pas là. C'était derrière. Pas de bol. Pas de bol, c'était pas ici. C'était là-bas. C'était là. Toi, tu me fais rien, toi. Tu me fais pas de mal, toi. Non, c'est bon, il me fera rien. Ne vous inquiétez pas. Ok, parfait. Allez, on continue de descendre. Pour l'instant, j'ai toujours mes 100 Pikmin avec moi, donc tout va bien. Pas de perte. Ça, c'est parfait, j'ai envie de vous dire. Allez, complexe souterrain sous niveau 7. Alors, est-ce que c'était là où je m'étais foiré ou c'était encore le niveau d'après? Je ne sais plus. Sur le tuteu. C'était ici, ok. C'était là où je m'étais fait la foirade. Ah. Un petit jus violet, ça je prends. Ça, on passe à 4. Très bien. Il y en a encore un ici. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Du nectar. Qui n'est pas encore fleuri, là. Ouille! Saleté. Mais non, 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 ça va pas recommencer, là. Non, mais tu vas pas commencer à buter mes Pikmin, toi. Oh. Mais quelle enflure, cet ennemi. C'est bon. Parfait. Putain, quelle enflure, il m'a déjà pété 17 Pikmin, lui. Quelle enflure. Vous allez où, le truc, il est là, hein. Voilà, merci. Sérieusement, quoi. Je rêve. Et suivez-vous un peu, là. Suivez la cadence. Il y a des bombes. Attendez, restez là. Je vais m'occuper de péter tout ça. Voilà, moins qu'on ait de la place. Tiens, revoilà lui. Hein? Te revoilà, toi. Putain, ça pète de partout. Hein. Heureusement, lui, il n'a rien. Ok, c'est bon. Tout va bien. Où est ma pièce que je cherche, là? Putain, le nombre de bazar qu'il y a. Ah, elle est là. Enfin, ils sont là. Ouais, ils sont là. Ils sont ici. Ils sont ici. C'est quoi ce grand couloir vide là? D'accord. Non, 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 non. Je me. Non, non, non. Divise, divise. Je vais juste prendre des rouges. Voilà, les rouges, vous venez avec moi. On va aller chercher la pièce. Louis, tu vas m'occuper des autres, s'il te plaît. Parce que je tiens pas à ce qu'il arrive quelque chose à ces Pikmin là.
Voilà, donc toi, tu vas rester au vaisseau bien sagement. Et vous, les rouges, vous me suivez. Voilà, vous me suivez, vous me suivez, vous me suivez. Allez, dépêchez-vous. En plus, vous êtes fleuris, donc vous devriez aller plus vite. Alors là, ici, attention, hein. Allez, portez ça. Voilà la preuve. Voilà pourquoi je voulais pas venez. Mais qu'est-ce qu'ils foutent? Oh là 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 là, mais j'en ai encore perdu deux, mais c'est dingue. Ah, par contre, ils vont passer où ces cons là? Parce que je tiens pas à ce qu'ils fassent une connerie, quoi. Attendez un peu ici, tiens. On va aller chercher les deux en même temps. Il m'en faut 20 là. Allez-y. Voilà la preuve. Je m'attendais à ça. Vas-y, recule. C'est bon, j'ai perdu personne en route là. Non, tout va bien. Allez-y, vous y retournez. C'est bon, il y a du monde là. Voilà. Vous y allez aussi. Voilà. Vous allez tous les deux ensemble. Et moi, je vous surveille. Comme ça, si jamais il y a une araignée qui retombe de je ne sais où, au moins je vous aurai en visu, les enfants. Au moins, je vous perds pas. Parce que là, ça serait dommage de perdre les deux, là. Allez, allez, les enfants. Très bien. Parfait. Nickel. Ça, c'est une bonne chose, là. Voilà, très bien. Ça, c'est bon, ça. On a récupéré... Oh, 300, pas mal. Activateur de soif. C'est un bouchon de bouteille, en fait. Ok. Comme d'habitude, on va essayer de passer les 1000 pocos pour cet épisode. Enfin, pas les 1000 pocos, mais on va essayer de passer les 80%, de la dette. Si on peut, pour aujourd'hui. Ok, 60 pocos pour ça. Adhésif furieux. Oui, c'est un adhésif rouge. Et il n'y a plus rien à prendre ici. Parfait. Où était mon trou-trou? Mon trou-trou... Il est là-bas, mon trou-trou. Allons-y. Par contre, là-bas, il y avait des bestioles. Hein, donc, j'ai intérêt à me méfier. Soit faire vite, soit essayer de trouver quelque chose. Voilà, parce qu'il y a lui, là. Bon, alors, vous suivez, là, les Pikmin ou quoi, là? Je veux pas vous perdre, moi. Go, 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 go! C'est bon, stop! Stop chrono, on arrête tout et on redescend. Voilà, très bien, parfait. Ouais, donc c'était ici que je m'étais foiré la première fois. Bon, j'ai encore perdu quand même 20 Pikmin dans l'eau, mais... En tout cas, on est bon. Allez, complexe souterrain sous niveau 8. Alors, où est-on? Ah bah ici, on est bon. Ah oui, ici, c'est encore des Pikmin qu'on peut faire. C'est vrai que je peux faire des violets ici. Bah tiens, on va en faire des violets vu que je n'ai pas de violets pour l'instant avec moi. On va en faire des violets. Ça peut être pas mal. Fais-les pas tomber sur tout, ce serait le comble. Parfait. Allez, ceux qui sont pas fleuris là, vous allez fleurir avec ça. Ouais, ici c'est la pause. Ok. Ici c'est la pause. Alors ces fleurs-là, vous voyez qu'elles s'ouvrent de différentes couleurs, ça veut dire qu'on peut faire des Pikmin soit rouge, soit bleu, soit jaune. Hein. Bon, je pense qu'on va rester comme ça. Sans des Pikmin violets, j'en ai pas mal. Après, j'ai peur qu'il y ait un gros item qui apparaîtrait dans ces zoos. Ça m'embêterait. Donc au pire, je vais refaire encore des violets. Comme ça, si jamais il y a un gros item à prendre, je pourrais le prendre. Et au pire, on va peut-être utiliser nos sprays aussi. Hein. Ça pourrait être pas mal à utiliser, parce que sinon, j'ai peur qu'on fasse une bêtise, là. Allez, vas-y, descends. J'ai très peur qu'on fasse une grosse bêtise si jamais... Enfin, je sais pas, on va voir.
Est-ce que c'est le dernier sous-niveau ou pas? On dirait que oui, parce que ça ressemble quand même pas mal à une arène. Donc à mon avis, ça sent la fin ici. Et en effet, c'est bien le dernier. Parfait. Alors, quelle sorte d'ennemi j'ai rencontré là? C'est ce truc là. Hein. Ce truc qui est au milieu. Allez, reculez, reculez, reculez. Ah. C'est ce qu'on va faire. Voilà, on va utiliser un spray rouge. Vous allez voir ce que ça va faire. Incroyable, les Pikmin ont la tête qui brille et ils sont tout agités. La brume épicée augmente la vitesse et la puissance d'attaque des Pikmin. Quelle découverte! Voilà, donc les Pikmin comme ça seront plus rapides. Et en plus de ça, ils attaquent plus fort. Allez, allez, allez. Oh, attention! Aïe, aïe. Donc tu peux... Ça se calme pas ce truc, si, voilà. Allez, allez! Contrôle-le! J'aurais dû faire des jaunes en fait, on y repense. Oh. Ok, recule. Ouah! Oh putain! Ça fait mal par contre, hein. Mais oh, calme-toi quand même, hein. Allez! Allez! C'est bon? C'est bon, parfait! Très bien. Eh ben dis donc. Bon, on a encore perdu beaucoup de Pikmin dans la bataille, mais c'est passé. Cette monstruosité mécanique ne fonctionne plus, et c'est tant mieux. Le résultat était d'une relation symbiotique entre un insecte et une machine. Les formes de vie que l'on trouve sur ce secteur sont presque pareilles. Analyse du secteur en cours. Une boule de verre a été découverte. Oui, oui, on la voit, elle est là. Oh, j'avais pas besoin de violer, elle coûtait que 10. Oh, bah ça va. Je pensais que ça aurait été plus pire que ça, mais pas du tout. Et elle coûte 100, très bien. Et on a récupéré un globe stellaire. Et si je combinais cette boule de verre au soleil synthétique que j'ai développé en secret? En traitement. Terminé. Je suis parvenu à fabriquer un système solaire. La lumière artificielle produite par cet objet permettra d'éclairer les zones souterraines. Voilà, ce qui me permettra d'y voir plus clair. Voilà, et notamment on le voit ici, bah là, vous voyez, je vois déjà beaucoup plus clair, donc c'est vraiment très pratique. Et comme c'était le dernier niveau, bah c'est bon, on peut regagner la surface dès à présent. J'en suis ravi. 16, je crois qu'on est bon, hein. Ouais, grotte terminée, parfait. Bon, on a perdu quand même 43 Pikmin, c'est moche. Mais au moins, cette zone-là est finie. Et j'en suis ravi. Allez, retour à la vallée du repos. Où là, cette fois-ci, on est bon. Voilà, parfait. Puisque là, normalement, on est bien, là, hein. Juste remonter là-haut. Ouais, c'est ça, il y a encore des... C'est quoi, c'est du nectar? Ouais, c'est du nectar. Ah, il y en a qui n'avaient pas... Ouais, il y en a qui sont encore en feuilles, là. Comment ça se fait? Allez, les enfants, faut voir, hein. Il y en a encore en feuilles, là. Les violets, là. Voilà, très bien. Allez, on peut repartir, parce que là, je n'ai plus rien à faire, puisque la zone a été totalement dévoilée. Donc, on peut partir. Allez, terminer la journée. Oh oui, et on est bon. Et au moins, on peut le dire, zone 1 terminée. Et j'en suis ravi. Donc voyez, le truc c'est qu'il faut essayer de produire énormément de Pikmin à la surface, puisque quand on est sous terre, on ne peut absolument pas créer de Pikmin, enfin on peut pas en faire, et c'est là tout le problème. Alors, rapport du jour. Dis-moi tout.
Ok, 535, bon, je prends. Par contre, on n'a pas encore passé le 8000, hein. Il faudrait qu'on passe un petit peu le 8000. Alors, au niveau des Pikmin, ouais, j'en ai juste perdu 2 rouges. Et j'en ai gagné, ouais, 11 blancs et 2 violets. Donc ça, c'est pas mal. On a gagné des Pikmin aujourd'hui, c'est cool. Les animaux qui m'ont adopté sont en fait des créatures adorables, une fois qu'on s'habitue à elles. Je leur construirai un refuge lorsque la dette sera remboursée. Mais il est bon, ce patron. Il est bon. Donc du coup, voilà, on peut le voir ici pour la vallée du repos. Ben, il est bien terminé, puisque tout est jaune. On a le drapeau à chaque fois sur les grottes, donc c'est parfait. Ce premier monde est terminé. Donc on va pouvoir maintenant passer au monde numéro 2, la forêt de l'éveil, où on va pouvoir essayer d'aller récupérer ben, les trésors qui s'y trouvent, notamment à la surface, puisque là je ne vais pas refaire de grottes dans cet épisode. Allez, c'est parti. Donc pour ce monde de la forêt de l'éveil, donc ce qu'on va faire là, pour la fin de cet épisode, donc comme je l'ai dit, on va récupérer les trésors qui se trouvent à la surface et puis on va essayer de faire un petit peu plus de Pikmin. Ce qui va être le but de cette journée. Allez, on va en prendre 50 rouges. Je vais en prendre 25 jaunes. Voilà, 25 jaunes. Et puis 25 bleus, puis ça ira très bien. Hop, parfait. Par contre, je vois que je n'ai pas énormément de jaunes, donc on va essayer de faire des jaunes aujourd'hui. Hein. Il m'en manque. Allez, suivez-moi les enfants. On va commencer par s'occuper d'eux. Voilà, très bien. Par contre, ce sont les jaunes qui vont y aller. Hein. Ça, c'est certain. Parce que j'ai pas énormément de jaunes à disposition. Putain, il m'a déjà bouffé des Pikmin. Il m'a déjà bouffé des Pikmin jaunes. C'est moche. Allez, les Pikmin jaunes, allez-y. Perdez pas de temps. Tiens, on va en faire des bleus. Tiens, je suis avec. Hop. Louis, t'es tout seul là. Bon, je dis pas non. Tu peux rester là, ça me dérange pas. Hop, 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 hop. Très bien. Parfait. Allez, vous me suivez les enfants. On ne perd pas de temps. Que je réfléchis. Tiens, on va aller par là-bas. Ah oui, c'est vrai, il y a ça. Ah non, ce sont des mix qui sont en train de bouffer le pont. J'avais déjà commencé à construire. Oh, et quand je peux les laisser bouffer le pont, c'est pas gênant. C'est pas gênant, on va aller ailleurs. On va aller par là-bas. Je peux même aller par là, hein, parce qu'à moi il y avait de l'eau ici. Ah ouais, mais je pourrais pas monter. Bah attendez, on va repasser là. Attends, des bestioles qui sont en train de bouffer. Vas-y, viens là, toi, sors de là. Très bien. Les jaunes, vous y allez. Hop là, voilà, les jaunes, vous y allez. Parce que je vais avoir besoin de jaunes, moi, pour après. Attends, encore une bestiole là. Vas-y, sors ta tête, toi. Voilà. Très bien. Allez, les jaunes, vous y allez. Moi, je vais réceptionner les jaunes avec lui. Voilà. Par contre, il faudrait peut-être pas que je prenne trop de jaunes parce que j'en aurai besoin des jaunes après. Où était le... Ah oui, il était là-haut, le truc électrique. Je me posais la question. Les rouges, vous allez là, s'il vous plaît. Les bleus. Mais loul, j'ai pas de jaune. Oh, c'est pas vrai. Bon, Arc-Mèche. On recommence.
Voilà. Le reste, vous venez avec moi. Ouais, les jaunes. Vous devez me péter ça tout de suite. Allez, les jaunes, pétez-moi ça. Voilà. Pendant ce temps-là, avec Louis. Avec Louis. Louis. Ah bah tiens, il y a un gros palais là, mais j'ai que 9 Pikmin. Donc ça va pas le faire. Au pire, vous pouvez faire descendre ça, s'il vous plaît. Voilà, moi comme ça, on va faire un petit peu de Pikmin. Voilà, très bien. Allez me porter ça. Ah, ça va, il y a encore des jaunes qui me rejoignent. Bah c'est bon, comme ça, on va pouvoir faire les Pikmin jaunes à gogo. C'est bien. Parce que j'en ai besoin de jaunes, hein. J'ai pas beaucoup de jaunes. Ah, vous avez fini? Oh bah parfait. Très bien si vous avez fini. Alors ici, nouvelle grotte. Bon, grotte qu'on fera pas aujourd'hui, hein, je l'ai dit. Vous êtes donc parvenu à aller tout en haut. Bravo. Un instant, que se passe-t-il? Mes senseurs sismiques ont détecté des secousses dans les profondeurs de cette planète. Quelle force étrange agit dans le monde souterrain? C'est une bonne question. Bonne question, mais on ira plus tard. Parce que moi... Voilà, j'ai ça à choper, moi. Il faut combien? 6. Je les ai les 6. Je les ai les 6. Voilà. Pendant que vous vous y allez, moi, avec Louis, on va aller chercher les palais à 10 là. Qui risque d'être très intéressant. Voilà. Vas-y, tu peux aller chercher les deux autres. Très bien. Moi, je vais juste regarder qu'est-ce qu'il me faudra pour les... Ok, il me faudra du jaune et du rouge. Parfait. Du jaune et du rouge pour ici. Ouais, donc on va pas y aller maintenant pour l'instant. Je réfléchis. Hein. Bon, excusez-moi, un petit instant. Que je réfléchisse. Ouais, par là je peux y aller, mais c'est pas vraiment ce que je veux. Ok, c'est bon, et puis ils ont ramené le... C'est quoi, c'est un bouchon? C'est quoi ça? Carmex for Cold Sore, tonneau de guérison, 1,29$. Ouais, bon, je sais pas ce que c'est. Il y a encore des choses ici. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore à choper là-dedans? Oups, ça bip. Alors là-bas, non, là-bas c'était les Pikmin bleus, donc ça peut pas être là-bas. Là-bas par contre, je pouvais faire le pont, là on va essayer de le refaire. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah! Qu'est-ce que... D'accord, il y a une grosse plante là-bas en fait. Bon, c'est pas gênant. Elle va pas me gêner. Est-ce que... Oh là 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 là! Hey, il y en a du monde là! Non, 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 restez là les enfants! C'est le pont là qu'il faut construire. Mais qu'est-ce qu'ils font? Venez là les Pikmin. N'allez pas à côté de la plante là. Voilà. Vous restez là. Vous restez avec moi. Mais oh. J'ai perdu un Pikmin. Bon, c'est pas très grave. Par contre, où est le... Parce qu'il me manque encore un truc, hein. Ah, c'est vrai qu'il y avait ça aussi. Mais pour ça, il va me falloir des bleus. Des bleus et des blancs, d'ailleurs. Oh, tu vas où, toi? Tu veux pas bouffer mes Pikmin, toi, quand même? Aïe. Méchante pébête, va. Ça rame du schtroumpf là, je sais pas ce qui se passe. C'est bon, ils ont fini. Parfait, vous pouvez me débarrasser de ce truc là, cette mocheté là. Merci. Parce que moi je veux pas de cette mocheté là. C'est bon, vous y allez, parfait. Louis. Tu vas rentrer les jaunes, s'il te plaît, et je vais reprendre des bleus. Il va me falloir des bleus là-bas. J'ai dit tous les jaunes. Voilà, tous les jaunes vous rentrez. Et moi, je vais prendre des bleus. Voilà, donne-moi des bleus, s'il te plaît.
Et on y va, on va aller chercher les bleus. Vous c'est bien, vous allez faire des Pikmin, c'est très bien. Mais venez! Quand je vous appelle, vous venez les enfants. Voilà, vous venez aller. Venez là. Normalement en vaisseau, ils n'ont aucun danger. Oh putain, ils sont encore qu'à l'état de feuilles, hein, ces Pikmin là. Bon, c'est pas gênant. Allez, on va essayer de péter la tronche à lui là, parce que lui il va me casser les pieds. Allez, petite grenouille là. Saute-moi dessus. Je sais que t'en as envie là. Voilà. Pas grave si j'en perds. Ouais, j'en ai perdu un peu, bon, c'est pas très grave. Voilà, c'est bon, parfait. Très bien. Pendant ce temps-là, les Pikmin bleus. Non. J'ai pas besoin de ça, moi. Les Pikmin bleus, vous me faites ce pont-là. Allez, dépêchez-vous. Par contre, avec Olimar, moi, je vais chercher peut-être des Pikmin blancs, parce que du coup, j'en aurai besoin pour après. Donc, on va essayer de faire ça vite. Les rouges. Bah, au pire, les rouges, vous pouvez rentrer. J'ai plus besoin de vous. Et je vais aller chercher un peu de blanc. Des blancs, s'il te plaît. Voilà, des blancs. Voilà, tu me donnes tout. Au pire, on y va. Allez, vous revenez avec moi, les enfants. On va aller là-bas au fond. Parce que là, il me reste que 3 minutes pour faire tout ce que j'ai à faire. Donc, ça risque d'être chaud. Ok, Louis, il a fini. Allez, venez, 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 venez. Par contre, Louis, tu vas me reprendre tout ce beau monde, s'il te plaît. Parce que je vois qu'il y a une grenouille là-bas et j'ai peur qu'elle m'embête, celle-là. Tu arrives de m'embêter, toi. Alors, pourquoi j'ai pas tout le monde, là? Venez là! Pourquoi j'ai un Pikmin? Ok, bon, j'ai perdu des Pikmin, bon, c'est pas gênant. Olimar. Allons-y, allons-o. On ne traîne pas. Les blancs. Vous pouvez me faire ça, s'il vous plaît, rapidement. Ça va être juste un niveau temps. Ça va être very, very juste. C'est après, qu'est-ce qu'il reste? Qu'est-ce qu'il y a là, en fait? Non, 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 non. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Ah, parce qu'il y a un trésor là-haut. À quoi ça sert? Non! Mais qu'est-ce qu'ils font? Mais ils sont débiles, je rêve. Mais ils vont se noyer comme des idiots. Je vous ai demandé de péter ça, hein, les blancs. Hein. Je vous ai pas demandé autre chose, hein. Mais qu'est-ce qu'ils font? Je rêve, mais pétez-moi ça! Voilà. Maintenant, vous revenez là. Ah là là! Évidemment. Non, c'est Olimar qui va y aller avec ça. Olimar, tu y vas. Ah, parce que la dernière grotte est là-bas, d'accord, j'ai compris. J'ai compris. Donc, il est en train de tout me bouffer, lui. Moche, t'es. Il m'a bouffé tous les rouges. Ah, tu aimes bien bouffer les Pikmin? Attends un peu. Voilà, c'est bon. Oh, punaise, le soleil se couche. Ouais, mais j'ai plus le temps, quoi. Je n'ai plus le temps. C'est curieux, mes senseurs acoustiques ont détecté des hurlements très aigus. Les signaux semblent provenir de la zone qui entoure ce tronc géant. Cette énorme racine doit atteindre une profondeur faramineuse. Fascinant. Est-ce que vous pouvez au moins essayer de détruire ça? De toute façon, on va être à la fin de journée, donc... du coup, j'ai plus pouvoir faire grand-chose. Vous deux revenez. Est-ce qu'ils peuvent monter? Ils ne peuvent pas monter. Oh, bordel. C'est bon, je vous ai tous là? Ouais, parfait.
Alors par contre du coup je vais pas pouvoir Attends, au pire 10 secondes, ok, c'est pas très grave. Normalement j'aurai tout le monde hein, donc. Au pire on va les rentrer parce que là j'aurai vraiment pas le temps du tout de faire ce que j'ai envie de faire. Je rêve, il y a encore une grosse plante là-bas. Il m'a bouffé un Pikmin, lui. Bon, allez, c'est bon, allez, revenez tous. Ok, parfait. Eh ben, dis donc. C'était pas tourpeau, cette bêtise. Hein. Mais en tout cas, c'est fait. Est-ce que j'en ai perdu des Pikmin en route ou pas? Oui. Oui, oui, oui. Oh, j'en ai perdu beaucoup de bleus, là. Ah ouais, j'ai perdu des bleus, là. Bon, c'est pas grave. Tant pis pour les bleus, on s'en passera. Oh, je rêve. Ma parole, je rêve. Bon, rapport du jour. Alors, voyons un peu ce qu'on a chopé aujourd'hui. Bon, on a juste chopé le tonneau de guérison, c'est tout. Bon, du coup, on passe pas les 80% de la dette, c'est dommage. Mais bon, on est à peine à 100 pour couper. Donc ça devrait bien se passer. Bon, on a gagné pas mal de jaunes, on a perdu juste 2 bleus. Bon, ça va. C'est pas trop grave. C'est dans les moments difficiles qu'on reconnaît ses vrais amis. Je vais vous licencier tous les deux et engager ces adorables créatures à votre place. Tu parles. Ok, parfait. Eh ben écoutez, je trouve qu'on avance pas trop mal, hein, franchement. Royaume Bull Black, c'est J. Snabrek, ok, ce seront les deux grottes qu'on fouillera dans l'épisode. Enfin, on en fouillera une des deux dans l'épisode suivant, parce qu'on fera pas les deux, je vous en doute. Puisque là, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Allez, donc c'était top donc pour cette 8ème partie sur Let's Play de Pikmin 2. J'espère que cet épisode vous aura plu. Et lors de l'épisode suivant, bah, on restera dans la forêt de l'éveil. On essaiera de récupérer le petit trésor qu'on a vu là à la surface. Et on essaiera donc d'aller donc dans le royaume Bulbax ainsi que dans le gîte Snabrek pour essayer de récupérer. Bah, enfin, l'un ou l'autre, on verra bien, pour essayer de récupérer les trésors qui s'y cachent donc dans ce monde souterrain. Voilà. Et en attendant, bah moi je vous dis... à la prochaine tout le monde!